Bande ko balandi ya chaîne na biso chaîne na bino RDC Mons biso yotoyi lisusu liboso na bino liboso ya ba poste téléviseur na bino liboso ya ba téléphone na bino pour faire ce qui est notre quotidien, ce que nous le faisons pour vous au tout ça là on pour na bino boyebi ke bozana habitude de rejoindre information a premièrement et puis ami balé rejoindre décryptage to décryptera actualité ou to pesara bino po boye banene ni mboka ezali ko kende ndenge nini makambo ezali ko kumba mandenge nini Congo ezali ko évoluer pe to komi na niveau nini pe to brosara ba secteur d'activité nyonso kasi na yamboto bandatika ngana pesa na bino na mbote na pesi bino mbote esika bolanda biso na pesi batu ba mama o bazolanda biso mbote bilenge na pesi bino mbote ba papa pe bana na biso pe o balandara biso o bazali abonné na chaîne na biso na pesi bino mbote kasi boyebi na osenga bino eloko moko oyo na senga rabino tous les jours parce que yango nde pesa biso makasi ya kozonga esusu a o ezali ya ko s'abonner na chaîne na bino chaîne na biso RDC Monde certes bozaye ko sala yango mais toning bo sala yango lisusu ya koleka parce que soyi bo s'abonner yango nde zo pesa biso makasi pe zo pesa biso courage ya koyaka lisusu ko informer bino pe ko décrypter actualité na bino kasi tika ngana pesa mbote pe na mama Pauline Lumumba esika zaye ko landa biso na Suisse ye alanda biso mikolonio sa zaye ko lembate Maman Pauline Lumumba, c'est l'une des dames, en tout cas, que la République doit reconnaissance pour le travail qu'elle est en train d'abattre à partir de l'extérieur. Azali diaspora au Pénin, Zaïna Soussi, Makasi, à Congo, Namoussala, Azali Kosala, Peto Sengi, Alimbate, Topesi Mbote, Sika Azali, Peto Pesi Batonios, Oyo Bazali Kolanda Biso, Nalibanda Yamboka, diaspora congolaise, et Sika Nyon Sobozwami, et Sika Nyon Sobozali Kolanda Biso, Topesi Bino Mbote. Kasi bandeko lelo to ena deux thématiques o ezali très important to kolobela par rapport ya actualité nde ezali ya liboso to robeta li solo ya parti présidentiel UDPS bomoni même na accoutrement na ngaye li koloba que problème ya UDPS lelo ezali ko intéressé biso au plus haut point pourquoi parce que l'UDPS aujourd'hui certes c'est un parti comme tout autre parti mais à la différence c'est un parti au pouvoir UDPS nde ezali ko kamba biso. Na rappelé bino que mokonzi ya mboka za Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kaka mwana ya Kondo Tshisekedi te mais azali payé issu ya UDPS parce que herba votaka ye na mandat na ye ya liboso azali ki comme candidat ya UDPS kasi comportement pe conduite pe gestion ya UDPS comme parti au pouvoir ezali kota la biso nyonso ezali ka kota la ba o bazali ba membre ya UDPS te parce que de la manière dont il gère le parti ils ont pesa biso déjà image nanda ki sa ya ndenge nini mboka ekoki ko kambama to ko beta li solo wana ndenge za ekoleka na kati ya UDPS boyebi mwa nungu ezali na kati ya parti wana lelo ba kan isalemi kan ya Augustin Kabuya na kan o bazali pe ko soutenir Augustin Kabuya te ezali ba kan ya ba professeur Mbata et consort bon mona ki kara na pona ko welela en tout cas poste surtout basé qu'au convoité ya secrétaire général ya UDPS wana ba pro na ba anti Kabuya ba kenda kiti ko ndongwana na niveau ya palais du peuple bomona ki ba image o ezaki vraiment honorifique pe honorable été pour na parti moko o ezali censé aux démocratiques parti o ezali au pouvoir boyebi bandeko la meilleure manière de pouvoir aussi aider ce pays à avancer c'est de dire des vérités lorsqu'on doit les dire. Je ne suis pas le seul à venir ici me poser des questions sur la gestion et la conduite de l'UDPS. Même le président de la République lui-même en a parlé. A condamné qui comportement entre autres yaba force du progrès. Ndengeni ni bazaki ko sala makambo na bango bomona ki na interview na ye ou ya sa dernière interview na ye ya salaki. Kasi eloko ya mibale to ko beta lisusu lisolo ya ville ya Kinshasa. Pourquoi lisolo ya ville ya Kinshasa? Parce que Kinshasa ndezali capitale ya République démocratique du Congo. Kinshasa ndezali esika oyo ba siège ya ba institution ezwami. Kinshasa ndezali esika oyo ezali koteka image ya mboka. Vous savez la capitale politique, la capitale qui est le siège des institutions politiques d'un pays, c'est toute une image. Lorsque l'on vient dans cette ville, on a une idée de ce que le pays, de ce que la République. Ils allaient au Colombie, au Kenara, France, bah au Bakina, Mikili, à Porto, bah Ebi, bah tout le monde se bat à l'isolé à Paris, parce que Paris les allait image, il y a France. Ils allaient le roi, bah tout le monde se souvient des Bakinara, Boké par exemple, à Espagne, bah quitta Kakuna na Madrid, parce que bah Ebi ville, il y a Madrid les allait image, il y a Boké. Ils allaient dans les Européens, ils sont nettoyés, qu'on vivre en Congo, Kinshasa, c'est l'image de notre pays. Mais depuis un certain temps, il y a
un nouveau gouverneur à la tête de Kinshasa, la personne de Daniel Bumba, lorsque Ayakine Nahi Koyebi Sabino, en moi, il avait suscité beaucoup d'espoir. Mais depuis quelques temps, en tout cas par rapport à Tanho et à Sali, Tozomi tout n'a pas question, est-ce que peut-être on ne vivra pas pire qu'on a vécu avant? Est-ce que peut-être Daniel Bumba a causé la ngobila biste? Et Msusu Daniel Bumba a causé la au-dessus de la mêlée? Daniel Bumba a causé la nasse par rapport à Nenge Toyebaki Moussala et Ngobila. Parce que depuis le départ, il y a Kimbuta, arrivé à Ngobila, et puis le lot Daniel Bumba, il faut tout le bas vérité. Il n'y a pas grand chose qui a changé dans cette ville. En termes d'embouteillage, Tomoni, embouteillage, et y a les sous-sous-makas, c'est tout le cas. En termes, il y a Banzela, Tomoni, le lot même, Maboulou, et comment, référence, il y a ville à Kinshasa. On peut sa moto adresse. Landanga esikatel soki oleki exemple na kabinda libulu oya monene oweza na kabinda wana na telemi na kwa na izani soni mingi ekomi ba reference o landanga yi par exemple na kabamba omoni esika wana poto poto ya makasi ezala kawana. Mais nous nous posons des questions, jusqu'à quand nous allons demeurer ainsi? Parce que Daniel Bumba, il est parti pour être gouverneur de la ville pour 5 ans encore. Est-ce que 5 ans Bakino va revivre ndengeni? 5 ans Bakino va revivre kaka na embouteillage o yongobilati kaki 5 ans bakino ba revivre kaka na insalubrité o yongobilati kaki 5 ans bakino ba revivre kaka na insécurité o yongobilati kaki parce que aussi la sécurité des kino c'est l'une des questions qui nous intéresse boyebi phénomène kulu na ndenge ezayé o créer ba problème ebele mais est-ce que ba mesure o ezayé kozwa parce que tolandi ya otay kozana na réunion na premier ministre Nakati ya réunion on a azoko annoncé karaba mesure. O tozaki na labo toyoka na ki mais sur le plan pratique qu'est-ce qui est fait pour que les choses changent. Donc voilà bande ko balandi, il y a deux sujets o torolobela to ko décrypter nakati ya émission na biso émission na bino salon de décryptage. To ko pesa bino maele na biso to ko pesa bino o biso tozaki ko penser bien évidemment mais to ko tanga bino pe na ba commentaire. Bino peut repérer Samuel et Nabino parce que aussi ce pays peut aussi évoluer par des propositions que nous faisons. Nous pensons pour notre part que le fait pour nous n'est que tout ça la ramusa Nabino ya ko informer Bino peut ya ko décrypter actualité et ali peut d'une certaine manière ma proposition to peut saraba konziamboka. Ba roi ko landa biso peut bazui idée bazui peut Samuel peut bachanga en pratique pour que Congo dans l'ensemble et banakobunga. Kasi bandeko na obana na sujet liboso etala ki parti présidentiel UDPS. Boyebi na kati ya UDPS, ça va faire quelques temps maintenant. Ke bango moko na kati bazay ko yokana te. Il y a de ceux qui pensent que aujourd'hui, le problème de l'UDPS s'appelle Augustin Kabuya. Et il y a deux autres qui pensent que c'est bien le contraire, que Augustin Kabuya par rapport au travail qu'il a fait, c'est lui qui serait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ici Kaza. Mais qu'est-ce que nous pensons par rapport à tout ce qui se passe au sein de ce parti-là? D'abord, je veux rappeler aux gens que l'UDPS, tant au Bazaki en opposition, c'était le parti sur lequel les Congolais avaient placé tout leur espoir. Du vivant d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS était le parti qui traînait plus de monde dans les rues. L'UDPS était le parti qui suscitait l'espoir. L'UDPS, lorsque Tozaki Kolanda, et Beléo, acteur politique, et Belé Bazali, la classe politique, la scène politique, pour la plupart, ils sont issus de l'école de l'UDPS. Et Beléo, mon arabakambaramboka, je pense même plus de 50%, ce sont de ceux qui ont participé dans l'élaboration ou encore dans la constitution de l'UDPS. Et Zali Batou, Bazaki, militant, il y a l'UDPS. Batou lelo bazai ko kamba entre autres le président de la République Nenge Moroa à Lobara azali mwana oyo abotami na UDPS ayekoli politique na UDPS pe azala na UDPS. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui actuellement maintenant que l'UDPS est au pouvoir, est-ce que l'UDPS c'est qu'elle est en train de proposer en termes des spectacles qu'on est en train de voir, est-ce que ça nous honore, est-ce que ça honore une république? Je suis d'accord sur le fait qu'on dira que bah ouais, l'UDPS, c'est un fait privé. C'est un parti qui appartient à des individus qui ont leur manière de gérer leur parti. Et puis, et ça, voilà, papa, Asombinda Konaye, Azalina Katianda Konaye,
Arolobak et Makambo, Ezaïna Katsianda Konae, Eza Makambo et Taliba toi Libandate. Sur ce fait-là, nous sommes d'accord. Mais nous ne serons pas d'accord sur le fait que Yozali papa, peut-être au monde, tongo boutou pokwa, yona mwasi na yobo bundaka, yona bana na yobo yo kanakate, pe libanda, bozali ko tchaba tomisu sou mal à l'aise, dans des pays développés au monde, moutabimina ke reporté aux plaintes. Aroloba ke mwasi azaya yo, oui. Bana bazaya yo, oui. Mais il faut o gérer bango pe o kamba bango, nandenge elongo bani. Et ni koloba te loko la mwasi na bana penda kweza ya yo. Nde yo orobanda ko sala makambo. A tel enseigne ke komi ko indisposé bato bazali ba voisin na yo. Ezali possible te. Je pense que y a même un jargon qui dit à Kin que moi na so gaza na libumu. Azala raya mama mais so ki abimi ya komi ya motonyoso. Comme pour dire que moi na pe akoki ozala ya yo. Mais tu ne peux pas te donner le luxe de l'éduquer comme bon te semble. Okoiko indiquer moi na yo te na ko beta kae na miso ya bato bato ba ronzima yango te ezali ndenge moko le na UDPS. L'UDPS c'est un fait privé mais un parti politique ne ba lo barabato ba sala droit ba juriste ça ne fin d'utilité publique. Et lui ko lo ba ke UDPS en tant que parti pire encore comme parti au pouvoir, il faut être à la partie oh ezali ko prêcher par l'exemple. Certes, UDPS ezali organisation, parti politique ezali organisation ezali kokambama na bato, ba problème ezanga raté, mais il y a mieux à faire que de nous offrir ce spectacle. Figurez-vous que la force du progrès est allée s'affronter au siège des institutions, en l'occurrence les palais du peuple. C'est inconcevable. Le palais du peuple n'appartient pas à l'UDPS. Le palais du peuple appartient à la République. Toroi kondimate et pour selon mibeko la constitution et l'obéli principe il y a inviolabilité il y a siège des institutions mais tout mona ki na kati ya palais du peuple bande ko ya force du progrès ba eko bundawana non seulement ba bundi wana ba pandi ba vitre ba buki ba biloko il y a dommage intérêt en réalité ba avocat ya république il fallait qu'il ba porter une pèse plainte mais tout mona que Bantouana, certes, bazaï identifiable était. Il faut arriver à prouver que c'était des gens de l'UDPS. Mais et puis après, il y a ce qu'on appelle des auteurs intellectuels. Qui sont les auteurs intellectuels aujourd'hui de ces désordres qui se passent au sein de l'UDPS? Moutoua Liboso, Tourotan, Ezali, Augustin Kabouya. Excusez-moi, c'est je. Oyebi, Kenraï, Naïb, Sarah, la meilleure manière à Rolingo, Ezaï, Rolobana, en vérité. Quelque part, vous avez failli dans votre leadership. Parce que vous devriez avoir en ce moment un leadership rassembleur. Tout le monde devrait commencer à se rassembler autour de vous. Je ne dis pas qu'on se rassemble autour de vous, que tout le monde devait être d'accord avec ce que vous faites. Parce que, n'est-ce chef de l'État, c'est de la vitalité démocratique. Ma discussion est le kanaka, mais il faut bon ça de manière responsable. Boroki bisote ko offrir population, spectacle et autres ko vivre. Entre temps, le peuple est en train d'attendre. Peuple azali kozelate amona na kati ya UDPS des ordres et comment on a peuple azozela par exemple Augustin Kabouya o le kakana ba media minene o expliquer biso que ba réforme o esalemi mosala o mokonzi ya mboka za ko sala c'est ça ta place. Là où je suis d'accord avec vous c'est sur le fait que le lot UDPS et ko ki o loba que sur le plan de calcul électoral que l'UDPS elle est la première force politique actuelle du pays. Ça je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut considérer le fait que nous ne sommes plus au moment d'élection. Nous ne sommes plus au moment de campagne. Si quoi, nous sommes au moment de gestion. Ah, on a minute, je ne pense pas que dans un parti politique à l'ordre du jour, bah, zo bête à ma solo et à ben élection, non. Tout zo bête à sous ma solo et à élection, t'es. Obimi, c'est l'UDPS, bah, député, oh, yo battre record. Depuis que l'UDPS, ils ont UDPS, ils ont dit que la vérité dans RDC monde, vérité en moi. Mais vérité, mon souci, c'est que l'UDPS, c'est que l'UDPS s'attarde à rater dans Babylone, parce que ce n'est pas ce qui nous concerne, nous. Nous ne sommes pas membres de l'UDPS. Ils sont tous les peuples, M. Augustin Kabouya. Dans la minute, ils sont tous les gens qui ont dit que vous êtes à ma solo et à ma réalisation à mon Kondi Amboka. En tant que parti, c'est ce que vous devriez faire. Oh, ils sont tous les gens qui vivent en Ezaï Makambo et Talib, ils sont tous. Yami balé na roloba bande coupé mususu mutuloro à professeur Mbata. Monsieur Mbata, vous êtes professeur, vous êtes député national. Vous devriez vous aussi faire un peu preuve de sagesse.
vous avez tata mokolo ou même la politique. Vous allez parmi batu ou vous allez comme ma bitumba ya IDPS libanda vous allez vous exposer par ici. Nakati ya lisolo, eza le roi lisolo mo ya Bible eza la je pense lisolo ya Noé. Oh ya melaki ma sangalang waki. Pe akoma ye kolongo la bilamba me mwana na ye moko ya kana lobaki ke ngai na ye ko couvrir bolumbu ya papa. Vous avez le devoir de couvrir les imperfections de ce parti-là. Ce parti est un parti historique. Ce parti est un, devrait être un parti exemplaire. Bino, nous allons d'accord sur le fait que Naebi parfaitement te bas statut à une épaisse. Ce qui est le CDP, on a convention démocratique, il y a parti. Il y a une qualité. Il y a qu'on relève le secrétaire général de ses fonctions. Si c'est ce que le statut dit, oui, vous pouvez le faire. Mais après, vous devriez trouver un consensus à l'interne. Parce que, Augustin Kabouya, il faut reconnaître la décision. Mais Augustin Kabouya, il faut relever la fonction, il faut nommer les sous-sous, il faut nommer le comité de crise, ce qui va gérer ma ramouni, il faut que les sous-sous. Donc ça veut dire que Augustin Kabouya n'est pas encore suspendu. Augustin Kabouya a longtemps déposé des actes en qualité de secrétaire général. Mais la question qu'on se pose en ce moment, est-ce que vous, en tant que membre de l'UDPS, est-ce que vous, en tant que gestionnaire de l'UDPS, vous devriez nous offrir ça? Est-ce que vous, en tant que aujourd'hui gestionnaire des institutions, de l'État, vous, en tant que homme d'État supposé, dans votre chambre entre guillemets, Bokokaki kobimisa bino bongo bolumbu ya IDPS libanda parce que le peuple azan a besoin en ngote. Peuple azan a besoin en ngote. Biso tozay na posate toye ba maramo ezo le kana kuna etali biso te. Non seulement etali biso te bino bokomiti au point ya ko panza biloko ezali ya biso ya peuple. Moi je pense que monsieur le président de la République doit taper le point sur la table. Je sais que sur le plan de droit, sur le plan de la Constitution, depuis qu'il est devenu président de la République, il a cessé d'être membre de l'UDPS. Mais d'une manière ou d'une autre, il peut faire quelque chose. Il peut intervenir, il peut agir en tant qu'autorité morale du parti. Le président de la République doit mettre fin à la récréation. Monsieur le président de la République, vous devez mettre fin à la récréation de l'UDPS. Regardez, il y a quelques jours, on a cru que le secrétaire général était relevé de ses fonctions. Mais hier, lui-même, le secrétaire général ne reconnaît pas avoir été relevé de ses fonctions. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire tout cela? Vous nous avez promis, vous avez dit que ça va s'arranger. Mais jusqu'à maintenant, monsieur le président de la République, ça ne s'arrange pas. La situation est en train d'aller de mal en pis. La situation va de mal en pis. La situation est en train de s'aggraver au sein de l'UDPS. Ce parti qui était un parti qui suscitait d'espoir. Moi, je vous dis la vérité, monsieur le président. C'est un parti aujourd'hui qui commence à faire à la limite la honte. C'est un parti qui commence à faire la honte. Je pense, à mon humble avis, en ce moment, que ce soit ceux du camp de Kabouya, que ce soit ceux du camp contre Kabouya, il devrait être mis de côté. Vous devez trouver des gens qui sont neutres au sein de ce parti-là, qui doivent continuer à le gérer. Parce que c'est lui qu'on a désigné comme intérimaire selon la CDP. Selon le secrétaire général Augustin Kabouya, il est celui appartenant du camp des Mbata et consorts. Mais nous allons aller jusqu'où? Tiwa pitoro kenena makambu oya UDPS. Tiwa pitoro banda ko assister batumoro le roi ya ba force du progrès qui se sont transformés en une milice, qui se sont transformés, je ne sais pas, à une police parallèle, à une armée parallèle, ils ont créé des ordres, ils ont semé désolation. Néolanga a fait force du progrès, en commençant par Jacob, et je cite votre nom. Vous avez tout intérêt à s'organiser vous aussi, parce que Maramo, vous avez que ça, les Maramo Soni. Les Maramo Soni. Makambo ya UDPS etali bino bato ya UDPS etali bisote mais bon il faut boye ba ke bino en tant que UDPS bozali parti au pouvoir bozali parti oyo biso ba congolais à chaque fois to vanda toza kotala bino toza kotala bino toza kotala makambo bozali ko sala bozali ko pesa biso déjà idée ya ndenge nini il faut to traiter bino na ba prochaines élections. Donc je pense qu'il est grand temps
Monsieur le Président de la République, intervenez d'une manière ou d'une autre. Je sais que vous avez tous les leviers de le faire. Vous avez tous les moyens de le faire. Tapez sur le poing sur la table. Mettez fin à cette récréation. Certes, vous avez parlé de la vitalité démocratique. J'utilise vos termes. Mais la démocratie, ce n'est pas la foire, monsieur le Président. Ce n'est pas parce que nous sommes en démocratie que nous devons commencer à vivre le désordre. Nous, la RDC, aujourd'hui, nous sommes un État démocratique. Mais ce n'est pas pour autant quelqu'un qui traîne chez lui, qu'il ira chez un voisin et que commencer à s'aimer du désordre au nom de la démocratie. D'ailleurs, en démocratie, on dit, là où ta liberté se termine, c'est là où la liberté de l'autre commence. Et si la liberté n'a pas souka, et si la moninga est bandit. Donc, il y a un principe pour trouver équilibre. L'UDPS a été l'un des partis démocratiques qu'on ait connu. Mais les lots UDPS, par rapport à la démocratie, na bango wana, bazo prêché biso, on dirait démocratie égale désordre. UDPS a zo la kisabiso, on dirait démocratie égale kosemé ba trouble. Parce que le lot au sein de la République, parmi les semeurs de l'UDPS, il y a de ceux qui se reconnaissent comme étant membres de ce parti-là. Nous sommes en train de voir le procès qui est en train de se passer ici, sur la force du progrès qui était allée saccager les maisons de trous là-bas à Gombe. Ils sont en train de chanter l'hymne de l'UDPS. Mais regardez à quoi ressemblent ces jeunes-là. Regardez à quoi ressemblent ces jeunes de la force du progrès. Même lorsqu'ils se présentent à la barre devant des juges, on a l'impression d'être en face des voyous. Disons-nous la vérité, on a l'impression d'être en face des voyous. Ces gens-là. Donc, Monsieur Augustin Kabuya, professeur Mbata, Jacquemin Chabani, toutes ces grandes figures de ce parti, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président de la République, étant-vous issu de cette école-là, vous l'avez dit, que ces discussions-là se faisaient dans un cadre qui était interne, que ces pratiques-là reprennent au sein de ce parti-là, que ces pratiques-là, des discussions de manière démocratique et intelligente, reprennent au sein de l'UDPS. Nous n'avons pas besoin de vivre ce spectacle. Ce dont nous avons besoin, nous avons besoin d'eau. Ce dont nous avons besoin, nous avons besoin d'électricité. Ce dont nous avons besoin, nous avons besoin des routes. Ce dont nous avons besoin, nous avons besoin de la sécurité. Ce dont nous avons besoin, monsieur le président, nous avons besoin de récupérer Bounagana. Oui, il faut qu'on se le dise. Nous avons besoin de récupérer nos terres qui sont en train d'être parties entre les mains de ce voyou de M. Paul Kagame. Nous avons besoin de récupérer cela, M. le Président. Et nous avons mis notre foi en vous. Nous ne vous combattons pas. Nous vous assistons. Nous pouvons vous accompagner de notre manière, mais nous devons avoir l'ascenseur du retour. Nous devons comprendre qu'en face de nous, nous avons des gens en qui nous pouvons faire confiance. Et cela par quelque part du comportement des membres de votre parti. Parce que vous avez cessé d'être membre du parti pour raison d'incompatibilité. Vous êtes président de la République aujourd'hui, ça ne permet pas à un président de la République d'être membre du parti. Donc vous avez cessé momentanément d'être membre de l'UDPS, mais je pense qu'après votre mandat, vous reviendrez dans ces partis-là. Mais qu'est-ce que vous trouverez lorsque vous reviendrez dans l'UDPS? Vous risquerez de trouver une coquille vide à votre retour dans l'UDPS, monsieur le président. Donc, il est grand temps maintenant qu'au sein de l'UDPS, que vous puissiez taper le poing sur la table, que vous exigez à ceux qui sont en train de diriger ce parti-là, qu'ils mettent de l'ordre, parce qu'en mettant de l'ordre au sein de l'UDPS, cela en dépend aussi de votre image et de l'image de la République. Parce que l'UDPS est en train de transmettre un très mauvais message de la République. Le monde entier est en train de nous observer. Si quand on a l'oba, on a l'ingala, monsieur le président, pour pas y amusus ou bayokate. Bato y a libanda, bazo ota la biso. Mi parti na yo, UDPS, ezali membre yaba parti socialiste mondial. Pelelo, UDPS, ezali na vice-présidence. Augustin Kabuya, ezali vice-président yaba socialiste yaba monde entier. Mais ceux qui bandeko wana ba yem ou kon msus ou balobi kete, tokoya touroyo, tokende. Kosanganana bandeko na biso ya UDPS po bazali ba vice-président ba yeko kuta makambo bazali komona. Est-ce que vous pensez que bato wana pena ba kozwa biso au sérieux? Ba kozwa bino au sérieux bino ba mamba ya UDPS. Ba kozwa bino au sérieux. Professeur Chilumbai, vous aussi vous avez un grand devoir, un grand rôle à jouer. Parce que Augustin Kabuya vous accuse d'hypocrite. Augustin Kabuya zolo ba ke yo, ozali ko pesa
image locale quelque part aux Alina et Mazo, il y a tendance noté aux hybrides. Il dit que vous souffrez du chaud et du froid. Mais or, votre comportement n'aide pas les partis à avancer. Donc, il y a une UDPS qui est en rabino mingi. C'est parce que tout le monde dit que bon, s'est comporté bien pour que l'obi mbokapé est en bois mamalam. Bande ko wana za ki sujet ya liboso o to linga ki to décrypter bo ki décryptage na biso to ko yo kapé ba commentaire na bino to ko yo kapé ma kanisi na bino ba idée na bino pourquoi pas to ye bandenge nini ya ko trouver un compromis bande ko na biso ya UDPS to décrypter actualité o etali parti na bango mais après tout la décision encore la survie du parti est entre leurs mains. Eza makambo etali bango etali bisote. Kasi bandeko toroya na deuxième sujet na bisaki bino makambo etali ville ya Kinshasa. Ville ya Kinshasa. La ville province de Kinshasa depuis quelques temps, c'est l'une des villes les plus sales de la République. Ville o ezali capitale. Soki bandeko ba voyageur ba kenda arrière pays au quel Lubumbashi. OK Goma. Na pesinda ki sa ya deux villes wana. Ozuna Kinshasa, au moins la Kinshasa est plus sale que ba ville wana. Or Kinshasa est le siège ya ba institution. Vous regardez, vous comprenez la contrariété, la contradiction. On ne peut pas comprendre que la ville qui est la capitale d'un grand pays au centre de l'Afrique qui est la RDC soit parmi les villes les plus sales de notre pays. Pourquoi les plus sales? Parce que depuis un certain temps, on a des gens à la tête de cette ville qui ne font pas leur travail. Qui ne font pas leur travail. Depuis maintenant, je crois, deux mois presque, nous avons un nouveau gouverneur. Monsieur Daniel Bumba, depuis que vous êtes là, ce que nous sommes en train de consommer, ce ne sont que des discours. Depuis que vous êtes là, vous êtes en train d'exceller dans des bons discours. Na ebite ndenge okoma ki gouverneur ya ville so ba ebisa ki yone oyé concours ya art oratoire likolo ya ville wana. Na ebite soki ba ebisa ki yone yo oyé kokoma nde Julien Lepers. Wazayi ko sa question pour un champion comme gouverneur ya ville ya Kinshasa. Oyé ki ko jouer rôle wana ta. Ba kino bazo baza na besoin oyoka ba français ya milaité. Les kino n'ont pas besoin o tokeyi tozui ba mesure. Premier ministre, vous n'êtes qu'en train d'annoncer des mesures. Je vous ai donné un cas ici, un cas de Jekoko Mulumba. Jekoko Mulumba a fait l'intérim de Gentil Ngobila pendant un mois. Mais qu'est-ce que nous avons vu de Jekoko Mulumba pendant un mois? Nous avons vu le rond-point où il est revêtir de sa plus belle robe. Qu'est-ce que nous avons vu de Jekoko Mulumba pendant un mois? Nous avons vu la réhabilitation de l'avenue Ngouma. Nakati Yangouma, on a venu Ngouma, on a même chef de l'État à Kenda Kikuna. Parce qu'on avait quelqu'un qui était pragmatique. Mais Neko Daniel Bumba, pardon, depuis Oyoye. Et là, on a dit qu'on a un discours. On a dit que j'ai les pères, si on a dit qu'on a comprendre. Mais si on a dit qu'on a trouvé une solution dans Maramo et Tali Bakuluna. A trouvé solution dans Marambo et Taliban Nzela. Mais tous allez comment on dirait yonde oyewana oyé on dirait ozali na yo annonciateur des mesures qui seront prises. Oh, yo il fallait ozala décider. Il fallait ozali faire que tout le monde a rayon à terrain quitter votre zone de confort. Mon salaire au sein ezana ba bureauté. Certes na ba bureau au signer ba contrat au signer ba papier et puis soyez sur terrain. Qu'est-ce qui vous manque exemple vous monsieur Daniel Bumba comme gouverneur de la ville au quitte exemple au tala ce qu'est devenu l'avenue Kabamba. Au tala ce qu'est devenu l'avenue Kabinda. Et là on y n'est qu'aux angayo. Pe bon actionner malamongo makambo e banda. Soyez pragmatique monsieur le gouverneur. Moi personnellement j'avais cru en vous. J'ai discuté avec vos services. Ils nous ont montré des programmes. J'ai été d'accord de revenir en long en large. Vous nous aurez sur votre chemin. Nengondima qui cause à la gouverneur, Yabakinoa, Ezaki parce que oya ko traiter ma problème nabiso, oya ko régler ma problème nabiso. Ce qui osa ko traiter ya monte chaque jour na RDC mon roba nomo na toroba norbeta li solo na yo mikolonios. Biso to rolemba yote, to rolemba yote to kozala na mikolonios. Matin midi soir vous nous verrez nous en train de parler. C'est que vous n'êtes pas en train de faire pour cette ville. Parce que vous avez suscité beaucoup d'espoir. Vous nous avez promis tant de choses.
nous y avons cru, mais nous ne voyons rien. Tout le monde est leur côté. C'est le leur tout le monde a ezaba discours. C'est le leur tout le monde a ezaba rayo la tiba safari na wana au outil réunion au télémina batuna bandi ko beta ma solo. Toi qui les sapongete. Oya qui peut résoudre ba problème na biso monsieur le gouverneur. Donc vous ne devriez pas en train de nous promettre. Vous n'êtes plus en campagne, monsieur le gouverneur. Vous êtes sous la campagne, vous n'êtes pas en campagne, vous n'êtes pas en promettre les Kinois. Na minute où les Kinois sont là, ils ont été que la cabine de sous. Ils ont été que la cabine de sous. Vous souvenir que la campagne na la cabine de sous, vous avez asphalté la route, vous avez été na kotonga ba metro ndengo pometa kibiso ta la projet yango yango yebandi ta la projet asphalt yango yebandi to bandi yango lelo ezali exemple lelo le 16 le 15 août to kosili sa yango année prochaine. C'est ce que le Kinois attend de vous, monsieur le gouverneur. Le Kinois n'attend plus de vous des discours, s'il vous plaît, monsieur le gouverneur. Nous n'attendons pas cela de vous, nous attendons autre chose. Nous n'entendons plus de promesses, mais nous attendons des réalisations. Tozo zela sous bilakate, tozo zela ne makambo oyoyo la kakibiso yo obana kosale la. C'est ce que nous attendons, monsieur le gouverneur. Bandeko balandi ya chaîne na biso RDC monde. Bandeko balandi ezaki ne bongo deux sujets oyo to prepara ki pona bino ko décrypter. Yango boyo ki décryptage na biso kasi boye bi télévision za ratango. Tozo atango nyo sote ya koloba awa. Parce que vous voyez bien, si il y a télévision, il y a des programmes tout respectables. Quand c'est pas si bien, merci mingi. Ne vous avez qui certes et belé à Colanda Bisso. Tu rappelles bien, et loco tu rappelles la bino Mikolo. Ni on se boit les matins, on se s'abonner na chaîne na Bisso. Tu peux si merci une équipe technique Mobimba ou Bazaye qui accompagne Bisso. Parce que bango ne Bazaye héros de l'ombre sans bango tu vas aller bosser na bino te. Ne na boye bande koto lobi. Merci mingi. Peut lobi. Au revoir. Tu coutani à la prochaine. Pardon. Ciao.